Ben bonjour à tous. Et puis effectivement, comme Alain l'a indiqué dans l'introduction, aujourd'hui, pour la dernière, pour la dernière de mes interventions, de mes cinq interventions autour de cette problématique historique de, de Genève, de Genève et de sa région, pour une période historique que, que moi, qui m'intéresse beaucoup, qui j'espère vous a intéressé, vous a plu, euh, j'aimerais en quelque sorte euh, à la fois vous rappeler un certain nombre d'événements sur euh, la fin la fin de l'occupation française à Genève et puis sur les mois, euh, euh, les quelques années qui ont euh, justement marqué l'après-occupation française de Genève et le moment, le moment on va dire incertain. Alors parce que bien sûr, pour nous, pour nous comme à chaque fois, quand on arrive après la bataille, c'est très, très facile pour nous de dire ce qui s'est passé et, et, et puis éventuellement euh, ce qui nous en reste en termes historiques ou éventuellement en termes mémoriels. Par contre, il faut toujours rappeler, et vous le savez très bien, puisque l'histoire, elle continue, elle continue avec chacun d'entre vous et d'entre nous, au moment où les événements arrivent, et, et, et en particulier lorsque les événements dont je vous parlais, de 1814, 1815, j'irai jusqu'à 1816, donc pour ces deux années fatidiques, et parmi peut-être les années les plus importantes, moi je pense, hein, de l'histoire de Genève, de l'histoire de la région de Genève, de l'histoire d'Europe également, eh bien, pour les, les contemporains, pour les personnes qui ont vécu euh, ces événements de 14, 15, 16, eh euh, l'incertitude, ce qui est logique d'ailleurs, l'incertitude à ce moment-là était la plus totale. Et entre autres, elle était la plus totale, je vais vous le rappeler, parce que euh, nous étions dans une phase de guerre et par définition. Lorsque euh, euh, une région, parce que nous parlons de région, de la région de Genève, et, et, et bien sûr des pays sont engagés dans des phases de, de conflits militaires, d'opérations militaires, ben, par définition, ben, on ne sait pas combien de temps elles vont durer, on ne sait pas comment elles vont se terminer, on ne sait pas a priori qui va être le vainqueur, qui va être vaincu. Et une fois même, d'ailleurs, quand euh, les opérations vont cesser, on ne sait pas s'il y aura, euh, peut-être après un armistice, un hein, cessez-le-feu, est-ce qu'il y aura ou pas un traité de paix, est-ce que peut-être que euh, après la guerre, après la paix, pardon, la guerre reviendra? Donc n'oublions jamais ça, c'est que les personnes qui ont vécu ces, ces, ces années fatidiques de 14, 15, 16, eh l'ont vécu comme beaucoup d'autres, dans beaucoup d'autres périodes, mais dans une forme d'incertitude. Donc à la fois euh, en termes d'espoir, parce que quand on est dans l'incertitude, ben on continue à vivre d'espoir sur le fait que, par exemple, la guerre euh, va s'arrêter. On vit d'espoir parce que peut-être, on en reparlera notamment aux aspects, sur les aspects politiques, si vous êtes piqueté de Rochemont, ben vous espérez... Pour euh, votre patrie, c'est-à-dire pour la patrie genevoise, vous espérez un certain nombre d'opportunités une fois que la guerre ou que les guerres sont terminées. Et puis, bien entendu, si on parle de, de guerre, si on parle de guerre, mais pas seulement en termes d'opérations militaires, si on parle également d'occupation, d'occupation militaire, si on parle de pillage, par exemple, si on parle de réquisition euh, au bénéfice des armées, je dis bien des armées, elles peuvent être françaises, elles peuvent être... Autrichienne, ces armées, en tout cas pour notre région, pour la région genevoise, eh bien ça veut dire pour un certain nombre de personnes, bah ça, ça signifie euh, euh, des situations de perte, des situations de chagrin, des situations de désespoir parfois, en fonction bien sûr de ce qui peut se passer à un moment donné. Alors effectivement, cette Der des der, elle s'inscrit donc dans un chapitre, dans un livre où il y avait cinq chapitres. Au mois de février, on avait démarré sur le fait de savoir justement, notamment sur les aspects militaires, comment Genève s'était retrouvée en tant qu'ami ou ennemi de la République française, parce que tout ça avait démarré. La Genève française, elle n'a pas démarré avec Napoléon. La Genève, elle, la Genève française, elle s'est terminée avec Napoléon avec la fin de Napoléon. Mais elle n'a pas commencé avec Napoléon, elle a commencé avec la République française, la Première République française. On a évoqué, et bien sûr, que dans le temps de la Révolution française et de la République française, la Première République, puis après de ce qui s'est passé ensuite, donc du Premier Empire français avec Napoléon, eh bien, bien sûr, il y a eu des guerres à l'échelle européenne dont on avait parlé, qui ont, bien entendu, euh, marqué cette époque. Je vous avais évoqué des aspects également économiques, parce qu'à partir du moment donné où Genève s'est retrouvée, en tant que chef-lieu de préfecture d'un département français qui s'appelait à l'époque le département de Léman et qui, grosso modo, ressemble beaucoup à ce qui s'appelle aujourd'hui le département de la Haute-Savoie (74, 1974, 1974 eh bien, l'économie genevoise avait subi un certain nombre d'effets négatifs suite justement à cette intégration au sein de euh, la République française, puis de l'Empire français. Ça, c'était au mois d'avril, dont je vous en ai parlé. La dernière fois, au mois de mai, le mois dernier, en fait, j'avais commencé à aborder la fin euh, de l'occupation française, avec le fameux, on y reviendra, 31 décembre 1813, qui marque, voilà, qui marque et qui marque encore aujourd'hui, dans les, les fêtes de Genève, eh bien, un moment historique important, le moment où, euh, la, on va dire, que les autorités françaises quittent Genève et que... Euh, le premier corps d'armée autrichien, euh, voilà, sous les ordres de, de Boubna, vient en libération et en libérateur de Genève, euh, dont je vous avais parlé de ça en 1814, avec le fait que en 1814, avant la première abdication de l'empereur, avant, avant pardon, la première abdication de Napoléon Ier à Fontainebleau, eh bien il y a eu des opérations militaires, il y a eu une campagne de France qui s'est bien sûr pour l'essentiel déroulée sur le front de, de l'Est, du côté notamment de la Champagne française, mais il y a eu des opérations militaires, je vous ai montré une carte, je vous la remontrerai si vous voulez, dans le sud de la France, côté des Pyrénées et pour notre région, eh bien j'avais évoqué notamment ce fait d'armes, la fameuse bataille de Saint-Julien. Qui, à un moment donné, de 1814, a opposé l'armée française dirigée par le général Desset, dont on va reparler, euh, à des corps d'armée autrichiens sous le, le commandement de Boubna. Et puis, bien, suite à cette victoire française à Saint-Julien de 1814, l'armée française de Desset, on va dire, était parvenue jusqu'à l'arbre, était parvenue jusqu'à Carouge. Et puis ensuite, voilà, il y a eu un temps d'incertitude entre Carouge française occupé par, par Desset, puis, et puis Genève, Genève autrichienne, avec une canonnade, dont je vous en ai parlé, et le fait qu'au moment, au moment peut-être fatidique, c'est-à-dire au moment où Desset s'apprêtait à lancer l'assaut, c'est-à-dire à partir euh, bien à l'attaque des fortifications de, de Genève, à un moment donné, bien sûr, euh, étant donné que du côté de l'Est et du côté de Paris, L'Europe, puisque c'était les alliés, hein, la coalition européenne qui était à ce moment-là en train de battre Napoléon, on prenait le dessus sur, euh, sur l'empereur. À ce moment-là, euh, les Français, d'essai en tête, n'avaient plus que le choix de reculer. Et les Français n'ont pu donner l'assaut à Genève. Et à partir de Carouge, on eh ont dû reculer en 1814 pour ensuite se replier sur Grenoble pour une part et sur Lyon d'autre part. Voilà, ça c'était. Euh, 1814, pour les débuts de 1814. Et aujourd'hui, voilà, je vais donc reprendre l'année 14, c'est-à-dire je vais reprendre à partir de moment donné où, dans la chronologie des faits, en quelque sorte, eh bien, on est au mois d'avril 1814, euh, l'empereur euh, Napoléon Bonaparte, à Fontainebleau, se résout à abdiquer, à abandonner son pouvoir, et puis, à ce moment-là, s'ouvre un nouveau chapitre. Un chapitre, j'insiste, pour les contemporains de ce moment-là, et en particulier pour les contemporains de Genève et sa raison, un chapitre qui paraît euh, complètement incertain, pour se dire, mais que va-t-il se passer Que va-t-il se passer que maintenant la France n'est plus dirigée par Napoléon Bonaparte Que va-t-il se passer que maintenant donc, Genève redevient indépendante, comme elle l'était eh avant 1798, avant l'occupation française Que va-t-il se passer Bien entendu, que va-t-il se passer pour toute l'Europe Parce qu'il n'y a pas qu'à Genève, il n'y a pas que dans l'argent genevoise, que des questions politiques, que des questions diplomatiques de très grande importance vont se poser. Mais bien sûr, c'est celles de Genève qui nous intéresseront pour cet après-midi. Alors, je l'ai posé comme ça, comme je disais en introduction, en pensant au fameux nez de Cléopâtre pour la période de l'Antiquité. C'est que je me suis posé cette question. Qui, qui donne lieu à débat, hein, parce que c'est un débat, et, et, et je ne prétends pas avoir tous les termes pour répondre au mieux à ce débat, c'est le fait de savoir si, si, mais peut-être que cette question n'a pas de sens, si ce n'est pas le nez de, de Bonaparte, mais si son bicorne avait été voilà, un petit peu plus modeste, s'il avait eu, parce que j'en avais parlé, s'il avait eu une intelligence politique peut-être plus grande que son intelligence militaire, que serait-il passé bah, C'est une question. Et en particulier, Pâques pour Genève, Pâques pour Genève et sa région, mais que se serait-il passé pour l'Europe si justement, euh, au lieu d'avoir un bicorne démesuré, dans le sens, au, au lieu de cette ambition, au lieu de cet égo, mais justement, peut-être que la question n'a pas de sens, parce que euh, dire Napoléon... Cela veut dire peut-être le plus grand ego du monde. Et de se dire que qu'il ben, était prêt à conquérir le monde et que même l'Europe, finalement, ne lui aurait pas suffi. Je pense que, que quand Bonaparte s'est retrouvé très jeune avant d'être empereur devant les fameuses pyramides de Khéops, eh il imaginait encore d'autres rêves. Et, et ces rêves auraient pu le conduire encore bien plus loin, comme les rêves d'Alexandre le Grand, on peut le dire peut-être, euh, 2000 ans avant, avant Napoléon. Quoi qu'il en soit. J'aimerais vous dire cet après-midi, ben voilà, d'autres choses sur le fait qu'en fonction des circonstances politiques, en fonction de péripéties nombreuses et variées, on n'aura certainement pas le temps en une après-midi d'aller dans tous les détails. Et bien voilà, moi je me pose cette question, je vous pose cette question, c'est s'il avait été plus malin au sens politique du terme, que se serait-il passé C'est-à-dire s'il avait davantage, en quelque sorte, parce que pour moi, hein, la politique je crois qu'un certain Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir, la politique, c'est l'art du compromis. Et en particulier l'art du compromis quand vous n'êtes pas le plus fort. Parce que bien sûr, quand vous êtes le plus fort, il n'y a aucune raison d'établir de compromis, peut-être avec quiconque. Mais lorsque vous n'êtes plus, ou que vous avez été peut-être à un moment donné le plus fort, mais que vous avez la lucidité, si vous en avez de la lucidité, vous vous rendez compte, le rapport de force change. Et si je l'applique à Napoléon Bonaparte, pendant 15 ans, il est le plus fort. Il est plus fort parce que, comme je vous l'avais dit, les réserves démographiques françaises, le nombre, hein, tout simplement, de jeunes hommes français, ben, il est suffisamment important pour que campagne après campagne, c'est-à-dire mort après mort, blessé après blessé, invalide après invalide, il y a toujours une nouvelle armée française qui est prête à partir pour conquérir l'Europe. Oui, mais à un moment donné, le réservoir commence à s'épuiser. Si le réservoir s'épuise... Le rapport de force est en train de s'inverser. Le rapport de force est en train de s'inverser parce que l'armée française, dorénavant, ne peut plus être aussi forte que dans le passé. Et les Européens, cette fois-ci, ce n'est plus l'Autriche seulement, ou, ou, ou ce n'est pas la Prusse seulement, c'est toute l'Europe. C'est toute l'Europe de Lisbonne à Moscou, c'est toute l'Europe de, euh, de Londres. Jusque euh, euh, jusqu'à Rome, qui a décidé de se débarrasser de celui qu'on appelait l'ogre, le tyran. Alors à ce moment-là, à ce moment-là, la France, Napoléon Bonaparte, puisque il est encore empereur à un moment donné, eh bien se retrouve en position de faiblesse. Et à ce moment-là, ben, quand vous êtes en position de faiblesse, comment vous pouvez réagir à cette situation en sachant que ben, moi je redémarre en avril 1814. Alors je reviens sur voilà, le, le match, le duel entre l'aigle de Genève et puis l'aigle de Bonaparte. C'est que 31 décembre 1813, voilà, au revoir la France. Et dans les semaines, mois qui suivent, avril 1814, ce n'est plus au revoir la France, c'est au revoir Bonaparte. Au revoir Napoléon. Il abdique. Et on va dire dans une forme de sympathie pour l'ogre de Napoléon, enfin Bonapartiste, eh l'Europe lui offre l'île d'Elbe pour son repos éternel. En disant, bah écoutez, Sire, vous pouvez prendre votre retraite jusqu'à la fin de vos jours sur cette île d'Elbe qui vous appartiendra. Et, 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 et au lieu de vous préoccuper des soucis politiques de la France et d'Europe, de du monde, bien vous vous occupez à cultiver des légumes et des, et des oranges du côté de l'île d'Elbe. Donc là, on est en avril 1814. Et puis on se dit, ben, on est débarrassé. Il a accepté de, de passer une paisible retraite en Méditerranée, voilà, sous, le soleil de, sous le soleil toscan. On n'entendra en plus parler. Mais à ce moment-là, ça veut dire que va-t-il se passer Que va-t-il se passer pour Genève Que va-t-il se passer pour la région de Genève, puisque c'est celle-là qui nous intéresse, et bien sûr pour plein d'autres régions, voire même de pays, à l'échelle européenne. Alors on, on va repartir de là, avec le fait que dans ma petite chronologie, pour quand même avoir quelques petits repères euh, vraiment simplifiés en termes de dates, 98, Genève perd son indépendance puisque elle est occupée par la France, elle devient française, 99 donc l'année suivante, c'est le fameux coup d'état de Bonaparte. Donc c'est l'année d'après que Bonaparte prend le pouvoir en France, 1813, Genève est libéré de l'occupation française puis là alors là ça devient un peu plus compliqué. Parce que les péripéties vont être nombreuses et variées, 14. Donc la campagne de France est perdue par Napoléon. Donc il doit abdiquer et on l'emmène, on l'invite à rejoindre l'île d'Elbe. 1815, on va y revenir, il y aura la campagne de Belgique, il y aura la deuxième abdication, qui sera la deuxième et définitive, abdication de Napoléon, puisque là, on l'invitera bien plus loin qu'à l'île d'Elbe, jusqu'au fin fond de l'Atlantique, pour lui dire, reste à Sainte-Hélène et ne reviens plus jamais, il n'y aura que les cendres qui reviendront de Napoléon, mais bien plus tard, jusqu'aux invalides. Et puis, notre histoire, l'histoire de Genève, elle continue. pour dire 1816. L'histoire de Genève, et pour moi, c'est un événement. Parmi d'autres événements, Genève intègre la Confédération helvétique. Ça y est, ça y est. Il y a reconnexion, ou il y a connexion d'une certaine façon entre Genève, mais ça ne va être pas que Genève, bien sûr. Genève, sa région, et puis la Confédération. Donc là, en l'espace de deux ans, 14, 15, 16, il se passe des choses que j'estime, enfin il n'y a pas que moi, que j'estime extraordinaire, parmi les plus importants de toute l'histoire de Genève ou de toute l'histoire de la région de Genève, bien entendu. Et ça, ça s'inscrit bien entendu dans une histoire de la France, une histoire d'Europe qui vit des moments historiques. Alors, je vous remonte cette carte pour vous rappeler que avant que euh, Dessay ne se prépare à donner l'assaut à Genève, avant que, que Napoléon abdique, Voilà, Il y a eu cette, par cette carte le fait qu'à un moment donné, là la carte c'est 1er janvier 1814, c'est que la France va être envahie. Euh, elle ne l'avait plus été de cette façon-là depuis la fameuse guerre de 100 ans au Moyen-Âge entre la France, le Royaume de France et le Royaume d'Angleterre. Et puis vous voyez bien qu'en rouge, depuis... Euh, depuis les Pays-Bas, depuis la Belgique, jusqu'en Espagne, eh bien, vous voyez que toutes les armées de l'Europe eh s'engagent pour justement euh, battre les armées qui sont ici en bleu, les armées euh, françaises. Et puis, bah, que, comme je l'avais dit, par, euh, par ce couloir de Bâle, Lausanne, Genève, mais en visant Lyon comme objectif principal, un corps d'armée Boumna. Justement et pu justement euh, libérer euh, Genève de l'occupation française. Donc ça, c'est la situation militaire, c'est cette situation militaire qu'il faut comprendre pour comprendre la suite des événements. Alors juste de vous remontrer ben, un portrait du général français, le général d'essai, c'est-à-dire celui qui, pour la campagne de et puis celle qui va se reproduire l'année suivante en 15, c'est lui. Il n'est pas tout seul, bien entendu, mais parmi les officiers français marquants de ce moment-là, l'armée des Alpes, en gros, c'est euh, le général Dessay, en tout cas sur le plan opérationnel, parce que lui, il est sur le terrain euh, et il marche, parce qu'il ne peut plus monter à cheval. Et puis, euh, à gauche, bah, son adversaire, euh, le euh, commandant Boubna, qui lui dirige euh, les des corps d'armée autrichiens. En 14 et en 15, simplement la différence, c'est qu'en 14, enfin, en 1813-14, Boumna est à Genève. En 15, il ne sera pas à Genève, mais il fait partie des officiers qui justement reprennent la lutte et les opérations militaires contre l'armée française. Par contre, Dessay, lui, est là à chaque fois, on va dire, soit à Carouge, tout près de Genève, Saint-Julien, euh, à la tête de l'armée française, qui tente, qui tente, hein, de reprendre, de reprendre Genève et sa région. Qui ben justement ont été libérés. Donc s'ils ont été libérés par les Autrichiens, ça veut dire qu'ils sont occupés par les Autrichiens. En attendant, justement, en attendant que les diplomates, parce qu'on va y arriver, c'est qu'une fois que la situation militaire eh bien, euh, euh, évolue vers un armistice, hein, cessez -le -feu, un cessez-le-feu entre l'Europe d'un côté et la France de l'autre, eh bien c'est aux diplomates, euh, c'est aux différentes délégations euh, de chaque pays, d'entamer de, en, des pourparlers. Et puis de se dire, ben alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait entre autres pour Genève Qu'est-ce qu'on fait pour la région de Genève Et donc on va arriver à un moment donné. On l'avait évoqué rapidement, mais j'avais dit que j'en parlerais davantage aujourd'hui, la fois dernière. On évo... Enfin, on va arriver notamment à l'histoire du congrès de Vienne. Mais le congrès de Vienne s'inscrivant dans, bien entendu, un ensemble euh, très très bien plus grand encore de conversations, d'échanges, de traités internationaux à ce moment-là. Alors on y va. On est en 14. Bonaparte voilà, fait la sieste à l'île d'Elbe. Les autrichiens sont là. Ce sont des libérateurs, mais les libérateurs, il faut les nourrir. Et ça mange. Surtout un cheval autrichien, ça mange. Et les autrichiens comme toute armée de libération, elles comptent se payer sur la bête. Donc pour pouvoir se payer sur la bête, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut faire des réquisitions pour nourrir ces pour nourrir armées. Et nourrir les armées, ça veut dire nourrir eh bien, les soldats, les officiers, qui mangent un peu plus que les soldats. Et puis surtout, il faut nourrir eh bien, les chevaux. Il faut, il faut nourrir justement toute l'armada, la cavalerie, le train, l'artillerie qui accompagne bien entendu ces soldats. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ce qui va se passer pour genève et sa région, c'est que deux organismes civils, parce que le patron, c'est Boumna, c'est l'armée autrichienne qui commande, qui commande à genève et qui commande à la région de genève, en tant que libérateur, mais en même temps on est là et on ne sait pas ce qui va se passer. et puis face à ce pouvoir militaire, il va y avoir deux institutions civiles qui vont se créer pour eh ben, gérer, gérer les problèmes. Les gérer les problèmes, autant les problèmes politiques que bah, les problèmes du quotidien. Et les problèmes du quotidien, c'est ne serait-ce que, et ça va être, bien sûr, vous pouvez peut-être l'imaginer, et les impôts qui payent, qui ne payent pas, parce que les gens n'ont plus envie de payer d'impôts, c'est la guerre. Moi, je ne paye plus d'impôts, je me cache. Donc, il y, y aura une administration, il y a une administration, il euh, faut entretenir les chemins, bah, plus personne ne veut entretenir les chemins. Oui, mais alors si personne n'entretient les chemins, ce n'est pas possible parce que l'armée veut que les chemins soient entretenus. Parce que les routes, les chemins sont ce qui y a de plus important pour justement les déplacements de troupes. Donc, il faut qu'il y ait une administration. Alors, il va y avoir deux administrations qui se mettent en place. Il y a une administration, je vais l'appeler le conseil genevois. C est, c est, je vais faire des métaphores. C'est comme si on disait aujourd'hui le conseil municipal, le conseil administratif de la ville de Genève. Qui dit bon alors euh, maintenant que les Français sont plus là maintenant que ce sont les plus les Français c'est plus l'administration française puisque quand Genève était française c'est l'administration française la préfecture de Genève et eh ben qui gérait l'administration pour Genève donc il y a un conseil de Genève qui dit bah ben, nous on, on va on va on va parer euh, à toutes les mesures euh, qu'il faudra mettre en place mais rappelez-vous je vous montrerai la carte si vous voulez Genève, c'est parti d'un département, département du Léman. Donc, il n'y a pas qu'à Genève qu'il faut gérer les problèmes. Il faut gérer les problèmes de la ville de Genève, mais de toute la région de Genève. Et à ce moment-là, il y a une deuxième euh, euh, institution civile qui va s'appeler la Commission centrale du Léman, puisque le département de Genève s'appelait le département du Léman. Et alors, à ce moment-là, à ce moment-là, si vous voulez, donc il y a un trio, il y a un pouvoir militaire autrichien, Bubna, c'est lui le patron, bien sûr. Et puis en face de lui, il a des Genevois, si vous voulez, des représentants politiques Genevois. Alors on y va. Si on dit politique, ça veut dire qu'il y a des couleurs politiques. Aujourd'hui, on dirait la droite, la gauche. Dans le Conseil Genevois, on trouve pour l'essentiel des conservateurs, on va dire de l'ultra-droite, c'est-à-dire des gens qui n'ont qu'une envie, ou deux envies, je dirais. La première envie, c'est revenir à la situation de... Euh, ben, D'avant la France. C'est-à-dire quand, au bon vieux temps, Genève était une république, c'était une république non démocratique. Et que finalement, ce serait bien de revenir à comme avant. Ça, c'est ben, une position conservatrice. Puis l'autre position conservatrice du Conseil, c'est de se dire méfions-nous, méfions-nous de notre entourage et notre entourage proche, principal, hein, d'un point de vue. Notre entourage, ça veut dire les Sauveillards. Il faut s'en méfier, quand ouais. Il faut s'en méfier. Et puis, à côté de ce conseil de Genève, administration civile, il y a une autre administration civile où on va mixer des gens du Pégex, puisque le département du Léman, il intégrait quelques communes du Pégex. Donc, il y aura des Géciens, des représentants politiques Géciens, des représentants politiques de Genève et des représentants politiques de on va dire la Savoie, donc des Savoyards, qui vont donc devoir gérer les problèmes. Et puis de discuter entre eux, bon alors, et on parle de problèmes budgétaires. Moi, je parle de problèmes budgétaires. Hein. C'est des administrations civiles. C'est alors, on donne combien pour euh, l'entretien Qui paye Alors, est-ce que Genève paye C'est Genève qui va payer, comme d'habitude, vous savez très bien, on en parle encore aujourd'hui. Est-ce que c'est Genève qui doit payer les routes en Savoie Ou est-ce que c'est les Savoyards qui doivent payer les routes pour aller à Genève Donc, on parle de, de questions administratives. Et dans ces institutions civiles même si, bien sûr, on pourrait aller dans le détail, il va y avoir deux personnalités politiques, on va dire, qui vont ressortir. Il y en a une côté Genevois qui, pour moi, et vous, la, vous le savez très bien, c'est l'homme de Genève, c'est Pictet de Rochemont. C'est lui qui va être la tête, mais attention, ce n'est pas parce que lui, c'est la tête, qui c'est le patron. c'est pas pour autant que euh, autour de lui, il n'a pas des concurrents. Il faut pas imaginer que les idées de Pictet sont forcément les mêmes idées que celles du Conseil Genevois. Pictet, il a ses idées personnelles. Euh, il ne fait pas vraiment partie du camp des conservateurs, d'ailleurs, au niveau politique. Il est plutôt, dans, on dirait, du centre droit, modéré, disons. Donc, ça veut dire que par moment, entre le camp conservateur Genevois, puis le camp, même si ça veut dire Pictet, il n'y a pas forcément euh, 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 la même longueur d'onde. Et puis, côté Savoyard, et en particulier pour la commission centrale du Léman, alors, je ne sais pas si ce, ce nom-là vous dit quelque chose, Bastien. Bastien, euh, c'est une, une, famille qui en euh, Savoie, notamment do, du côté de, de Bonneville et du côté de Frangy. Voilà, ce sont, des, ce sont des, lignées de notaires, si vous voulez, de notables locaux. Et puis génération après génération, eh bien, ils ont eu le sens de l'épargne, ils ont eu le sens des opportunités. Et quand on est en 1814, ce Bastien, c'est l'homme le plus riche. Retenez ça. C'est l'homme le plus riche de la Savoie. Et c'est très important. Je pense que ce n'est pas évident à comprendre aujourd'hui la mentalité de ces gens-là, en particulier pour les peurs, les peurs politiques. Bastien, il y en avait des centaines d'autres, mais qui n'avaient pas sa richesse. Bastien avait obtenu une richesse foncière, c'est-à-dire cette. Sa, sa fortune d'abord c'est une richesse foncière, c'est un grand propriétaire, un grand propriétaire agricole. Et cette richesse elle vient d'où Elle vient du fait que vous savez très bien qu'à la Révolution française, les biens de l'église, les biens de la noblesse ont été saisis par l'État. Et une fois que l'État les a nationalisés, l'État a vendu ces biens pour récupérer des fonds. Et qui a acheté ces biens qui étaient autrefois des couvents, des monastères, euh, euh, mais en sachant que c'était beaucoup des biens agricoles, les vignes, ce qu'il y avait de plus précieux, les vignes, qui appartenaient très souvent d'ailleurs à des institutions religieuses dans la région, eh bien, ces bourgeois, en quelque sorte, on va les appeler comme ça, même si ce n'est peut-être pas un terme forcément adapté, mais ces bourgeois, ces bourgeois de la terre, comme Bastien, eh bien, en ont acquis des quantités astronomiques. Et donc, ça veut dire que euh, des gens comme Bastien, sont très importants pour Boubna. Boubna adore, c'est son chouchou, adore Bastien parce que ces gens-là, ils connaissent tout. Ils connaissent tout sur le vin. Ils connaissent tout sur les céréales. Ils connaissent tout sur ce qui est précieux, le foin. Parce que Bastien, il est propriétaire de dizaines de fermes. Donc lui, tous les jours, depuis presque de sa naissance, il parle avec des paysans. Un brasseur d'affaires, sont des brasseurs d'affaires de ce qui est le plus important pour l'armée, c'est-à-dire l'approvisionnement. Donc, pour Boubna, c'est une chance. Pour les Autrichiens, c'est une chance d'avoir comme interlocuteur Bastian, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de leur dire, notamment quand voilà, vous arrivez d'un empire, l'Autriche-Hongrie, vous arrivez dans, à Genève, vous dites, bon, OK, Genève, admettons, je peux connaître, mais... Salève, voiron, c'est un peu moins connu déjà. Puis après, Bastien, il connaît tout. Il connaît tout le monde. Il sait, par exemple, je suis ça vous dire, il sait où le beurre est meilleur qu'ailleurs, parce qu'il a des alpages. Donc ça veut dire que si Boubna veut avoir euh, la plus belle table de Genève, Bastien va lui dire Je sais comment faire. Je connais les chasseurs. Tu vas avoir un coq de bruyère sur, euh, sur ta table. Donc Bastien, ça va être l'homme référent. Côté, on va dire côté Savoie. Mais étant donné que la commission centrale, elle gère l'ancien département, bah, ce sont des Savoyards, des gestions et euh, des Jeunes voix qui sont autour de la table et qui doivent gérer les problèmes. Et le premier problème, c'est Bounda leur dit je dois être je dois être approvisionné parce que euh, on est là. Et pour être là, bah, il faut qu'on soit prisonnier, et puis on ne sait jamais. Les opérations militaires pourraient continuer, et on doit être prêt à éventuellement poursuivre la guerre, si jamais elle reprenait. Donc cela signifie que, pour résumer de nouveau, Genève donc, est indépendante. Genève se pose des questions sur son avenir. La région de Genève s'en pose encore certainement plus. Que, que, que les gens de Genève. Et en gros, on comprend que le destin, ce qui va arriver, et par définition ce qui va arriver, il est inconnu, ben en fait, ça dépend d'une sorte de partie d'échec, où il y a, bien entendu, le souhait des Genevois, les idées de Pictet, mais aussi les idées d'autres Genevois qui n'ont pas forcément les idées de Pictet. Cela dépend peut-être pour partie des idées de Bastien et de tous ceux qui, de l'autre côté, on va dire côté Savoie, ont aussi des idées. Et vous verrez que peut-être ce n'est pas celle que vous pouvez imaginer, euh, peut-être en tout cas. Mais, donc ça veut dire que ça dépend du microcosme du microcosme politique, euh, que pensent les dirigeants politiques que je ne vois, que pensent les dirigeants politiques sur GEX ou sur, euh, sur euh, on va dire, la Haute-Savoie pour parler en termes euh, contemporains. Mais bien entendu, tout ça dépend de ce qui se passe dans la tête et dans les cabinets de Paris, de Vienne, de Turin, parce que épictète le premier, le sait et le comprend et saura très bien faire ça. Le destin de Genève et euh, de sa région ne dépend pas que des Genevois ou que des Savoyards ou que des Grecs. ça dépend de ce que les rois, ça dépend de ce que les ministres des Affaires étrangères, Talleyrand par exemple pour la France, Metternich pour l'Autriche, ça dépend, Capodistria pour la Russie, ça dépend de ce qu'eux vont décider. Alors bien entendu, ça ne sera pas comme à Yalta quand, euh, en gros, euh, Staline... Avec Churchill et, 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 et euh, Roosevelt, sont partagés le monde. Pictet va jouer, Pictet et d'autres, hein, Bastien vont jouer un rôle très fin, très malin, très rusé. Mais bien entendu, ils sont d'autant plus rusés qu'ils savent, qu savent que tout peut changer parfois en une journée. Que euh, alors. Euh, Bien sûr, je pense que vous, vous connaissez cette figure du grand ministre français Talleyrand, du grand ministre des Affaires étrangères, qui avait été le ministre de Napoléon, et qui maintenant que le régime a changé, ben, il est ministre de Louis XVIII. Et euh, on va dire en l'espace de quelques jours, hein, Talleyrand, à un moment donné, va, euh, va céder à, à Pictet, je vous en reparlerai après, et puis le lendemain, il se ravise, puis lui dit, euh, non, changez d'avis, parce que vous ne m'avez pas donné assez. Parce que Talleyrand, il marche à la valise. Et la valise diplomatique de Talleyrand, ben, ce sont des pièces d'or. Et puis justement, quand Pictet va à Vienne, ben, il faut prendre de l'argent. Parce que Pictet sait, il est très bien informé, comme... il sait que Talleyrand, il faut l'acheter. Et on l'achète avec des pièces d'or et avec des femmes. Et c'est pour ça que Pictet part aussi avec des femmes. Il a son trésor comme d'autres. Parce qu'il sait très bien qu'avec Talleyrand, il faudra parfois négocier sur ce terrain. Et lorsque Talleyrand n'aura pas son trésor, il dira à Pictet, ben, j'ai changé d'avis. Et euh, ben, merci, au revoir. Puis euh, on reverra dans quelques temps, si jamais. Peut-être, ça veut dire la France, par exemple. Mais en sachant que la France, en même temps, ça veut dire un peu Turin. Pourquoi Parce que le roi, le roi piémontais, c'est un beau frère de Louis XVIII, et puis qu'entre beaux-frères, entre donc Paris et Turin, par exemple, eh bien de temps en temps, on veut aussi négocier au mieux des intérêts familiaux de la famille des Bourbons côté Paris, côté Turin. Et puis que si on peut faire un mauvais coup pas à Pictet, si on peut faire un mauvais coup à l'Autriche, autant le faire. Et tant pis pour le genevois parce que parfois, dans ce jeu de billard, peut-être que Genève doit payer. Pas parce que Talleyrand ou pas parce que la France aurait quelque chose contre Genève, mais parce que peut-être ça servirait à embêter l'Autriche. Donc, donc, tout ça... Fait, et, et Bien entendu, eh bien, Pictet aussi est fort parce que Pictet comprend bien ça. Pictet, heureusement, d'ailleurs, pas pour Genève, c'est pas quelqu'un de naïf, c'est pas quelqu'un qui, voilà, qui serait complètement innocent. Il sait très bien, il sait très bien que les grandes puissances, en gros... Euh, sont prêtes euh, à changer de position très rapidement et que parmi ces grandes puissances il y en a ce sont des ministres Talleyrand bien sûr on est, on est une figure mythique Talleyrand ça va jouer ça va jouer sur la valise c'est-à-dire le nombre de millions euh, le nombre de millions, parce que Talleyrand lui c'est en millions quoi la valise diplomatique pour lui et en fonction du fait que euh, je, je crois vous l'avoir dit la première séance euh, le secrétaire de euh, Pictet, donc le fameux Gabriel Hénard, qui, qui, qui a accompagné euh, Pictet notamment à Vienne, euh, avait la chance d'être milliardaire. Et ça compte, d'avoir un secrétaire milliardaire. Et il avait la chance d'avoir une femme merveilleuse. Et ça peut compter lorsque vous savez qu'en face de vous, il y aura Talleyrand. Euh, et que peut-être qu'il vaut, vaut mieux avoir une femme merveilleuse, parce que vous dites, euh, il y en aura tellement de femmes merveilleuses à Vienne, que j'ai plutôt intérêt à ce que ma femme soit remarquée. Parce que je veux défendre Genève. Oui, allez-y. Oui. Oui, oui, exactement, exactement. Et juste, euh, je dis pour les, les gens qui n'ont pas forcément entendu, effectivement, Gabriel Hénard, c'est celui, donc c'est le palais Hénard que vous connaissez tous à Genève. Et, mais quelques années plus tard, après ces, ces événements, effectivement, euh, euh, Gabriel Hénard sera le mécène, le financeur, eh d'un mouvement philhénène en faveur de l'indépendance grecque. Oui, c'est le même. Euh, c'est la même personne en, en question. Voilà. Donc, il, il c'est pour ça que c'est... Enfin, moi, je pense que c'est une période extraordinairement intéressante, mais en même temps très compliquée, parce qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres, les paramètres politiques locaux, mais aussi des paramètres politiques qui sont des paramètres politiques à une échelle européenne et que ben, c'est dans, ce, dans ce, cette interaction entre que pense la France, que pense l'Autriche, que pense la Russie et ce sont des ce sont des ce sont pas des régimes démocratiques on est d'accord ce sont des autocraties à ce moment-là euh, avec plus ou moins autocratiques selon les selon les circonstances et les pays et puis avec les ministres il faut jouer avec les délégations et il faut jouer avec de l'argent il faut jouer avec des femmes il faut jouer avec Talleyrand, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, lui il jouait avec... Il avait le meilleur cuisine du monde. Il est parti avec le meilleur cuisine du monde parce qu'il s'est dit, il s'est dit, je vais vous le dire comme ça, les rois, les rois, les ministres que j'aurai en face de moi, je vais les saouler. Et quand ils auront bien mangé, parce que j'ai le meilleur cuisine du monde, carême, quand ils auront bien mangé et bien bu, ils se rendront plus compte qu'ils vont signer. Et après, trop tard, ils vont signer. Bon, vous étiez sous, mais enfin, c'est votre signature. Et bien, Talleyrand, il y va avec son cuisinier, parce que, à Vienne, parce que c'est une façon justement ben, de régler des politiques, euh, des, des problèmes politiques internationaux. Alors, on y va. 1814. Je vous ai dit, donc, il y a le Conseil Genevois. Alors, le Conseil Genevois, assez conservateur ou très conservateur, d'un niveau, même s'il y a des modérés, et Pictet fait partie des modérés, c'est clair que pour eux... La France et Napoléon, je dis bien les deux parce que c'est deux choses différentes. Il y a Napoléon et il y a la France. Puisqu'en 1814, Napoléon est à l'île d'Elbe, mais il y a des bonapartistes. Et on en reparlera après. Mais la France, la c'est France, Louis XVIII. La France, c'est Talleyrand. Donc c'est deux choses différentes. Parfois ça va ensemble, parfois c'est des. Mais la position politique du Conseil de Genevois, c'est de dire que euh, la France, Napoléon, c'est le diable. Donc, il faut imaginer une nouvelle configuration qui est qu'on ne on veut pas qu'il y ait de démocratie à Genève, on veut que Genève redevienne la république non démocratique qu'elle était, mais on se rend bien compte que Genève ne peut pas rester toute seule. C'est pas possible. Donc, il va falloir... Parlementer, dialoguer, et ça va faire partie aussi du job incroyable de Pictet. Parce que Pictet va devoir négocier avec les Suisses, en même temps qu'il doit négocier avec les puissances européennes, et qu'il doit négocier avec Bastien, à l'échelle locale. Donc, euh, le Conseil Genevois se dit une fois qu'on est indépendant, qu'on a retrouvé notre indépendance, voilà, il faut absolument, absolument que les Suisses nous acceptent. Il faut rentrer dans un processus d'intégration à la Suisse et ce n'est pas gagné. Parce que au départ, la Suisse ne veut pas des Genevois, parce que les Genevois sont trop français pour pouvoir justement être éventuellement, éventuellement intégrés à la Confédération. Mais bon, c'est un objectif politique qui est clair. Le Genève veut devenir Suisse. Ça, c'est une position tout en se disant la France et Napoléon, c'est le diable. Ça, c'est une position euh, du Conseil génois. Pictet, lui, en plus, en plus, même si c'est toujours ce qui est normal en politique, les, les choses ne sont jamais aussi simples euh, que parfois on le dit. Pictet, en quelque sorte, lui, il rêve. Il rêve de ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un Grand Genève, on appelle ça le Grand Genève. Ça, c'était le rêve de Pictet. Mais en sachant que, bien sûr, ce rêve de Pictet, en gros, pour, pour le simplifier, Pictet, ce qu'il souhaitait, c'était de se dire qu'on part de Versoix, qui était française, on part de Versoix pour avoir la connexion, la connexion, la route euh, entre Genève, le canton de Genève et le canton de Vaud, donc après la Confédération. On part de Versoix, on fait un grand arc de cercle, on prend le Salève, on continue l'arc de cercle, on prend les Voirons, on prend les Voirons, et on va mourir à hermance et c'est genève ça c'est le rêve de pictet qu'on appelle aujourd'hui le grand genève mais pictet qui est bien sûr tout sauf naïf innocent il sait bien que c'est assez ambitieux comme rêve ce rêve qui existe aujourd'hui en quelque sorte c'est ambitieux parce que ce rêve ce rêve d'avoir ce grand genève de versoix salève voiron hermance il suppose pour que ce rêve soit réalisé, que la France cède. Il faut que la France cède vers soi et Talleyrand ne veut pas. Talleyrand ne veut pas. Parce que vers soi, c'est une magnifique épine dans le pied de Genève. Pourquoi, pourquoi la France donnerait vers soi à Genève Tant que je peux vous embêter, vous pourrez dire ben, Monsieur Pictet, bienvenue en France. Monsieur Pictet, vous quittez Genève et vous allez euh, faire un petit voyage à Rôle, et bien, passez par la France que vers soi c'est la France donc il faut que la France cède ce qui est loin d'être gagné et puis bah ben, vous continuez l'arc de cercle il faut que les savoyards savoyards ça veut dire il faut que Turin cède mais Pictet se dit il n'y a pas que la France il n'y a pas que donc le duché le royaume Piemont-Sarnia les jeunes voix vont devoir céder et c'est là où il y aura des grandes discussions entre Pictet et ses collègues parce que, vous vous rendez compte, on va faire entrer le diable, on va faire entrer les catholiques à Genève. Et alors, imaginez, qu'est-ce qui va se passer Mais les catholiques vont submerger les protestants. Genève ne sera plus Genève. Genève sera Paris. Et là, ça, ça terrorise, ça terrorise les Genevois. De se dire, mais ils vont être combien Mais s'ils sont plus nombreux Si un jour on devient une démocratie, c'est les catholiques qui prendront le pouvoir. Et nous, les grands calvinistes Genevois qui avons fait Genève, on sera minoritaires chez nous. Donc ils disent à Pictet Charles, il faut se calmer. Hein. Ok, tu as tes rêves, mais attention, est-ce que tu es conscient des conséquences si tu parviens justement à rendre réaliste, réel ce rêve, mais il y aura trop de catholiques. Et, et, et on s'en méfie énormément. Bon, il y a ce jeu politique-là. Donc, euh, et on peut rajouter dans toutes les subtilités, à Genève, et parmi les grandes familles, y compris, je pense aux Candoles par exemple, mais même euh, de chêne pas les grandes familles, les candoles les... et même chez un peu chez les pictets bon, Paris reste Paris. La France est horrible, mais en même temps, bon, c'est Paris. C'est-à-dire en termes d'ambition, euh, certains se disent bon, c'est pas si mal la France, parce que grâce à la France, on peut avoir des postes. Et ça, là, je parle d'ambition professionnelle, hein, je parle d'ambition sociale. Bah, ben, c'est vrai qu'être le premier à Paris. C'est quand même mieux que d'être le premier à Genève quand vous êtes euh, professeur de chimie, par exemple. Donc à, à Genève, forcément il y a, ce qui est normal d'ailleurs, il, il y a des discussions, des avis partagés. C'est pas, c'est pas euh, voilà tout blanc tout noir comme à chaque fois pour pour la politique. Euh, au niveau donc au niveau de la commission centrale, je vous dis euh, avec Bastien comme grand patron de cette commission. Alors Bastien, lui c'est un opportuniste. Je vais vous dire, c'est un bourgeois opportuniste dans le sens, lui, il fait partie, mais comme d'autres, comme Talleyrand, qui lui n'était pas un bourgeois. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent, ne pas en perdre. Et tous les bourgeois, mais c'est là où c'est plus compliqué parce que c'était pas que des bourgeois. Bien sûr, sauf que les bourgeois ils en avaient plus. C'était beaucoup de paysans. Ils avaient très peur, très très peur. Ces paysans savoyards, ils avaient très peur du roi, de leur roi. Et ils se disaient, mais finalement, qu'est-ce qui est que le mieux Ils avaient peur parce qu'à l'époque, les nobles et le clergé, et vous pouvez imaginer l'influence forte, je dirais surtout du clergé, dans les paroisses, les prêtres qui allaient en chaire et qui faisaient de la politique, et qui disaient, attention, hein, tous ceux qui ont acheté les biens de l'Église, il faudra les rendre. Et là, vous pensez, ça faisait des cauchemars pour ces bourgeois savoyards de se dire « Ah non, là, c'est pas possible. Là. On ne va quand même pas rendre à l'Église ou aux nobles ce qu'on a racheté. » Donc, ça veut dire que face à cette peur, Bastien, comme Pictet, se disait « Ok, là, il va falloir ruser. Euh, » Parce que Bastien se dit « Mais finalement, la France, c'est peut-être pas si mal. Hein. » Mais alors, non. Peut-être que c'est Genève qui n'est peut-être pas si mal. Parce que si nous, Savoyards, on devient Genevois, ah ouais, si nous, Savoyards, on devient Genevois, ils ne vont pas nous piquer nos terres. On ne craindra rien. Donc il va y avoir comme ça bah, des discussions politiques qui sont liées des fois à des intérêts matériels. Et puis, bien sûr, que je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, Bastien, il connaît tout et il connaît toute l'agriculture donc il connaît tout des circuits et il connaît tout surtout des prix. Alors là on est en plein dedans je crois aujourd'hui on parle de l'inflation et du problème des prix notamment de l'alimentation au prix du chauffage parce que l'armée euh, ça fait aussi des soldats euh, qu'il faut parfois approvisionner je parle notamment des officiers parce qu'on a besoin de bois pour les bivouacs par exemple. Et vous pourriez imaginer Bastien va les voler. Parce que vous imaginez Bastien et Boubna négocier des prix. Bastien va lui dire Vous connaissez les pauvres paysans savoyards, malheureux, déprimés, qui n'ont plus rien, qui n'ont plus une économie. Et puis Bastien va dire à Boubna Mais non, on n'a plus rien. Je ne peux plus rien vous donner. Ah bon Oui, mais il y a l'armée. Bon, allez, peut-être que j'ai encore un ou deux fagots. Peut-être que j'ai encore un peu de farine, mais il faut payer des fois plus cher. Et Bastien et beaucoup de paysans à savoir si, mais ils sont fantastiques ces Autrichiens, mais eux ils sont bêtes. On peut leur vendre au prix qu'on veut. Donc tout ça veut dire, faut toujours se remettre dans ces contextes-là que bah oui, il y a aussi les intérêts matériels qui sont en jeu par rapport à, on va dire à tout ce qui peut être politique. Et puis après au niveau du territoire, voilà, je vous rappelle, ce qui ne va pas me surprendre que en termes de territoire, voilà, Carouge. Alors, Carouge, vous le savez très bien. Carouge, alors Carouge. Parce que Carouge n'a pas du tout envie de devenir ne vois. Hein. Carouge n'a pas envie d'être suisse, quoi. Euh, et Genève absolument Carrouge. Carouge. Donc, qu'est-ce qui va se passer Et comme Carouge, en théorie, avant la période française, Carouge, ben, c'est Turin, c'est la ville sarde. Donc, Pictet sait que pour carrouge la lutte va être difficile. Les Savoyards là, il va falloir les blouser, hein. parce que pour qu'ils cèdent Carrouge, ça va pas être évident. Ben, ça va durer deux ans, hein. deux ans de discussion. avec plein. Puis tous les deux mois, il faut changer de plan, il faut trouver une nouvelle astuce. Dire bon, ils veulent pas lâcher Carrouge. Et puis il y a Versoix. Et de nouveau, hein, comment on peut faire pour que la France lâche Versoix Parce que je veux Versoix, parce que Genève a besoin. En même temps que Genève va adhérer à la Confédération, on a besoin de cette langue de terre qui permet, voilà, par la route suisse, qui permet par la route de pouvoir euh, joindre Genève et, et Lausanne. Et puis comme je dis, Talleyrand, ben, il ne veut pas. Hein. Il sait très bien. Vers soi c'est stratégique. Je peux tellement embêter Pictet avec ça. Donc Pictet et Enard, hein, ils partent avec des valises, euh, je vous l'ai dit, ils partent avec des valises d'argent. Parce qu'ils se disent, il faudra peut-être payer. Hein. À un moment donné, on dira à Talleyrand, bon, ben, c'est combien quoi Il veut 500 000 500 000 francs eh ben on... bon de toute façon il bon, y a Henard qui est milliardaire bon, on tapera dans, le... dans les milliards de s'il faut qui est quel secrétaire du Pictet. et puis bon il veut des femmes bon ben, ok ben, on part avec des jolies femmes parce que peut-être c'est avec des jolies femmes je lui ai dit que peut-être que on arrivera à avoir soi donc voilà ça c'est pour, euh, pour euh, les questions territoriales mais vraiment peut-être les plus sensibles et les plus délicates car vers soi car avec Turin Versoix avec Paris et puis bien entendu Genève euh, et Pictet ont beaucoup de chance, mais ça fait partie de leur talent, c'est qu'ils ont deux super puissances Londres, Moscou, le Royaume d'Angleterre et l'Empire, donc l'empereur de Russie, le Tsar. C'est vrai que voilà, ils font très attention à Genève, ils aiment Genève, et Pictet saura, la délégation suisse, saura céder des, des diplomates anglais, saura céder des diplomates russes. À un moment donné, ce sera Capodistria, côté russe, qui a, justement, qui a vécu à Genève, qui connaît bien Genève et qui aime beaucoup Genève. Donc, celui qui va devenir le premier président plus tard de la, la, la Grèce indépendante, Capodistria, ben, à ce moment-là, est ministre russe. Euh, côté anglais, c'est le duc de Wellington, c'est-à-dire celui qui va mettre la pâtée à Napoléon à, à Waterloo. Eh bien, tant mieux, ben, Pictet et Wellington, ils s'entendent bien, ils s'aiment bien. Et je pense que je l'avais dit quand on a parlé de business, parce que ben Piquet, euh, il est très fort en business. Et entre autres, vous savez pour la fameuse histoire du mérinos, et, et, et que dans son, son business de textile, voilà, parce que Piquet, ben oui, bien sûr, c'est partie de la légende. Ben Piquet, il est dans sa bergerie à lancy et en même temps, il est en train de voilà de boire le thé avec euh, à Vienne avec euh, Wellington, euh, mais ils font du business ensemble, parce que Wellington, toutes tout ces, ces gens-là, ils sont passionnés d'agriculture, c'est des agromanes, et donc, ça leur fait des points communs entre eux, étant mieux pour, pour Genève à ce moment-là. Alors, euh, toujours en 1814, je vous fais un petit, euh, un petit flash sur le côté, on va dire, euh, extérieur à Genève, su, sur la région de Genève. Je dis bien la région de Genève, donc on appelait le département de l'Aimant, qui s'appelle aujourd'hui département de la Haute-Savoie pour une part, puis euh, pour une autre part, département de l'Ain pour la, 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 la zone de GEX. D'un point de vue politique, je simplifie parce que c'est toujours plus compliqué, il y a trois camps politiques sur mais comment on doit faire, qu'est-ce qui doit se passer maintenant qu'a priori on s'est débarrassé des Français, enfin de Napoléon surtout. Alors voilà, j'ai mis trois blocs. Il y a un bloc qui pense que, et notamment c'est la noblesse, la vieille noblesse savoyarde, le clergé qui essaye par de la propagande politique, hein. Là, on est dans de l'action politique classique, qui essaie de se dire l'avenir de la région, c'est vers Turin. C'est vers Turin que l'avenir de la région se trouve. Et puis, au sein de cette région genevoise, il y a un bloc, il y a un bloc politique qui est pro-français et qui est surtout animé par, donc qui est bonapartiste, hein, qui est beaucoup occupé par des anciens officiers, parce qu'à partir du mois d'avril 14, quand Napoléon... Donc, abdique et part à Sainte-Hélène. Eh bien, il y a une grande partie de l'armée française qui se trouvait démobilisée, donc des officiers qui se trouvent, on disait, en demi-solde. Et je pense notamment à celui que vous connaissez tous, celui qui, bien plus tard, deviendra le général de Four. Tous ces gens-là, ça fait des gens qui sont dans une situation un peu de chômage. Ils le vivent mal, ces militaires parce qu'ils ont perdu leur solde. On les appelle les demi-soldes. Parce qu'ils disent, bah, ils ont perdu 50% de la rente à ce moment-là. Et ben bah, ces gens-là, euh, avec décès entre autres, hein, mais Dufour en fait partie, hein, sauf que lui, il n'est pas dans les, dans, les, dans les officiers supérieurs à ce moment-là. C'est un, un jeune capitaine de l'armée française, Dufour. Mais tous ces gens-là, bah, ils sont pro-français, parce qu'ils sont bonapartistes, et que, j'ai l'occasion d'en parler, ils sont voltairiens. C'est-à-dire, c'est des francs-maçons, souvent, ces gens-là. Et donc, ça veut dire que la perspective pour eux d'un retour de la région dans le royaume de piment Sardine c'est un royaume très, très, très clérical, eux, ils ne veulent pas. Et eux, dans la propagande, bah, c'est de lutter contre la noblesse et le clergé. Et il y a un match politique classique entre les rouges et les noirs, si vous voulez, entre, justement, ces deux blocs. Mais en fait, il y a une troisième bloc et ça, je pense ne faut pas l'oublier, parce que souvent, on, prend, on regarde ces là C'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, moi, je l'ai appelé le bloc opportuniste, c'est-à-dire des gens comme Bastien, qui peuvent être Suisses, Français, Sardes. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Du moment que les intérêts dont je vous ai parlé, les intérêts économiques de cette bourgeoisie, mais je vous dis, derrière cette bourgeoisie, c'est beaucoup de paysans. Hein Alors, je ne dis pas d'ouvriers agricoles. Je parle de, 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 de paysans qui sont des, des propriétaires et parfois de petites propriétés, mais enfin, ils sont propriétaires. Et ces gens-là, ces gens-là, ils s'en fichent de la couleur politique ou de la couleur du drapeau. Ce qui leur vraiment ce qui leur importe, c'est de se dire nous, on veut bien être français, on veut bien être suisse, on veut bien être euh, savoyard. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nos intérêts économiques doivent être préservés et pour l'essentiel, l'intérêt économique, c'est de se dire j'espère qu'ils ne vont pas nous piquer ce qu'on a acheté à la Révolution. Et bien sûr, le clergé malin et les nobles font courir des rumeurs en disant vous verrez, on va vous reprendre ce que vous avez pris, acheté à l'Église ou à nos pères, pour les nobles, dans la génération précédente. Voilà. Donc, euh, ben, on est là en, en 14 dans cette situation. Et puis, à partir de là, les événements peut-être vont un peu se précipiter. C'est que, au départ, avant le congrès de Vienne, tous les, dons, tous les gens dont je viens de vous parler, en fait, ça, ça a commencé à Paris. Les premières discussions diplomatiques avant le congrès, c'est à Paris que ça a commencé. Paris ou à Paris. Donc, on a un roi, Louis XVIII. Donc, c'est la restauration monarchique. Louis XVIII, c'est un des frères de Louis XVI, décapité, guillotiné, donc, au moment de la Révolution française. Et puis, avec Louis XVIII, c'est Talleyrand, le grand ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui est à la manœuvre pour, justement, discuter avec toutes les délégations, y compris avec, bien sûr, la délégation genevoise. Ça va commencer à Paris, puis à un moment donné, ben, ils diront, « Bon, c'est tellement compliqué, il faut reconnaître, hein, euh, vous imaginez, pour un russe, pour un autrichien, pour un, un anglais, de comprendre Versoix, Genève, Carouge, le Salève, les Voirons, ça les dépasse. Heureusement on peut Pictet, parce que Pictet, c'est l'inverse, c'est comme Bastien. Pictet, il connaît tout. Il connaît tous les petits chemins de Jussy, Pictet. Donc ça veut dire que dans des négociations, il sait très bien que où le crayon il doit passer et où il ne faut pas qu'il passe. Il sait très bien, et les autres, bon, ils disent, oui, Genève, une région, quoi. Parmi d'autres. Donc, euh, et puis les discussions, elles se termineront à Turin, parce qu'à un moment donné, c'est à Turin, c'est avec le roi de Piémont-Sardaigne que Pictet, en gros, va terminer les discussions, donc sur deux ans, en gros, hein, de 14 jusqu'à 16. Alors, à un moment donné, on est au mois de mai, euh, la France euh, lâche du l'Est, donc Talleyrand, parce que vous voyez, ils, ils disent à Pictet ben, écoutez, euh, le Pagex, le Pagex ne euh, sera pas à vous. Euh, la Savoie, on va en garder une partie, la, sa la Savoie occidentale, c'est-à-dire Annecy, Saint-Julien, vont rester français. Mais on va être gentil avec les Genevois. On vous accorde un libre passage, donc une sauvegarde, parce que quand de Genève vous voudrez aller, mettons à rôle et, et ainsi de suite, et à Berne, eh bien, effectivement, les douaniers français de Versoix Tournons le, en gros, tournons le dos quand vous passerez, vous passerez librement. On ne pourra pas vous empêcher de passer à Versois. Donc la France lâche un peu du lest. Euh, mais, mais pour le reste, ben, l'idée, c'est il faut aller à Vienne. Et puis notamment pour le contour des frontières, on verra à Vienne, on reparlera, on discutera. Donc Pictet, c'est voilà, il est parti pour euh, des discussions de très longue durée. En sachant que, pour qu'on comprenne, voilà, c'est que donc ça va se passer à Vienne, donc en Autriche. L'Autriche, c'est Metternich, le grand ministre des Affaires étrangères autrichien. Et même si, bien sûr, la France, l'Autriche-Hongrie, euh, le Royaume-Pays Montsardin, etc., l'Angleterre, bien sûr, qui se sont tous coalisés contre Napoléon, mais entre eux, ils ont parfois des intérêts divergents. Et notamment, et ça va beaucoup aider Pictet, donc ça va beaucoup aider Genève. Vienne, l'Autriche n'aime pas trop Turin. Pourquoi? Vous savez très bien l'histoire. Euh, des décennies plus tard, en 1860, euh, ce sera Napoléon III, Cavour, qui vont faire un, un accord politique, et c'est comme ça que la Savoie et Nice deviendront français, qui est que il faut virer les Autrichiens d'Italie pour que l'Italie se fasse. Les Autrichiens, ils ne sont pas naïfs. Ils savent très bien que les Piémontais veulent faire l'unité italienne sur leur dos. Donc, Metternich, l'Autriche, tout en étant alliée avec le royaume de Poumont-Sardaigne, se dit de temps en temps, si je peux donner un petit avantage à Pictet, donc aux Genevois, contre Turin, ce ne sera pas sans déplaisir. Parce que je me méfie de Turin. Je sais très bien qu'ils veulent faire l'Italie. Et je sais très bien que si l'Italie se fait, ce sera contre nous, les Autrichiens. Donc, Pictet, de nouveau, ben voilà, c'est certainement, euh, je, je pense, hein, enfin, je le vois comme ça, un homme, euh, un homme qui est au fait de tout ça, qui est au fait de toutes ces subtilités politiques et qui va jouer, comme d'autres, de la ruse pour se dire Ah, si je sais que euh, Vienne, donc l'Autriche. Et parfois en bisbille avec le royaume de Pilmont-Sardaigne, peut-être ça peut m'être utile dans les discussions que euh, je peux mener. Euh, et il y a un moment donné, il y a Metternich, ça, ça vient des Autrichiens, qui pour embêter, pour embêter le roi de Turin dit Et si finalement la Savoie, si ça devenait Genevois Et là Pictet se dit Mais il est fantastique ce Metternich Parce que c'est exactement ce que je pense. Alors, Pictet ne veut pas de toute la Savoie. Il dit, moi je veux vers soi, Salève, Voiron, Hermance. Même si ensuite il est prêt à discuter des fois de, sur 500 mètres. Hein. Il est prêt à Villagrand, par exemple, de dire, bon, Cara, Cara, on le met là ou on le met là Il y a pas de problème. Pictet a de la souplesse. Mais bien sûr, quand Pictet entend que pour embêter Turin, l'Autriche est prêt à dire, ben bien sûr, ils sont sympathiques, ce jeune voix, on les aime. On va leur donner la savoie, tiens. Juste pour embêter Turin, ça ça a fait cogiter Pictet en disant, ah, c'est intéressant, ça, ça, ça peut me donner des idées pour la suite auxquelles je n'avais pas forcément pensé au départ, puis c'est comme ça, je pense, l'histoire. En juillet 14, ça y est, ça y est, ça n'a pas été, été évident, je pense que vous le savez, euh, voilà. Vous, je ne vois, vous faites toujours très, très peur. Voilà, aux Bernois et aux Zurichois. Enfin, voilà, euh, Genève ayant montré pas de blanche, c'est-à-dire les Genevois ayant dit ⁇ ne vous inquiétez pas, à Genève, il y aura jamais de démocratie ⁇ Bon, voilà, s'il n'y a pas de démocratie à Genève, on veut bien de vous. Mais attention, hein, on ne veut pas de démocratie à Genève, parce que la démocratie, ça fait un peu trop français. Donc, et on ne veut pas du tout de français dans la Confédération. Mais le principe est acquis en juillet 14. Puis à ce moment-là, petite, euh, je trouve, situation intéressante au niveau démocratique. C'est un petit début de démocratie participative parce qu'il n'y a, a pas de démocratie électorale hein, à ce moment-là. Eh bien, dans la région, il va y avoir des pétitions et des contre-pétitions parce qu'il y a des gens malins, dont Bastien. Mais, pas, puis, mais quand, quand les gens vont se rendre compte, Bastien dire "Ah ben moi je ne fais Bastien et d'autres, ils vont demander aux gens de la région de signer pour adhérer. Certaines fois à Genève, puis adhérer à Genève, ça veut dire bah, c'est bon, hein. ils disent que euh, la Confédération est prête. Bon, allez, on signe pour la Suisse. Et moi, je fais exprès. Moi, si j'avais été Bastien, Ah, mais moi, je suis, je veux être Suisse. Parce que je pense que si je deviens Suisse, mes propriétés sont sauvées d'un éventuel retour au pouvoir d'une monarchie cléricale qui me dirait il faut rendre les biens que tu as volés. Et vraiment, c'est pour eux, pour les. Je vous donne un exemple personnel dans ma famille, parce que j'en ai entendu parler. Il y, a, il y a un qui était des paysans savoyards, un peu Bastien, quoi, donc euh, ouais, très opportuniste. Eh bien, le, un de mes arrières arrières il avait tellement peur de ça, qui est mort en 1808, je crois. il avait tellement peur de ça, c'est-à-dire qu'on lui prenne ce qu'il avait acheté à la Révolution, il l'avait acheté donc, c'était des biens d'église. Et l'église avait dit à ce moment-là Tous ceux qui ont acheté, vous êtes excommuniés. Donc vous êtes promis pour un enfer éternel. Donc ça faisait un peu cauchemarder parfois, un peu euh, mes ancêtres. De se dire Ah bon Vraiment, c'est ce qui va nous arriver après la mort. Vous savez ce qu'il a fait euh, Peu de temps avant de, avant de mourir, il, il, a, il a convoqué ses deux fils il y avait deux fils, donc ses héritiers. Il les a emmenés chez le notaire et il leur a dit vous n'allez pas hériter. Et les deux fils attendaient bien sûr que leur père meure pour euh, hériter de la, des propriétés et de se partager. et non, euh, il y a beaucoup de pères de famille qui ont déshérité leurs enfants. Mais je vous expliquer. Pourquoi Parce qu'ils se sont dit, dans, dans leur peur de l'époque, même si c'est pas évident à comprendre, si mes fils héritent de mes biens, le curé de mon village dit, c'est un bien volé. Tu iras en enfer et tous les gens de ta famille qui vont hériter pour les siècles et des siècles iront tous brûler en enfer. Alors voilà, ils sont imaginés dans leur peur. On va chez le notaire avec il est avec ses deux fils et il leur a dit vous allez payer. Il a vendu ses biens et il y en a plein qui ont fait ça à ses enfants en disant non vous n'hériterez pas, hein. vous allez acheter et après, je dirais au curé, ah non, mais mes enfants sont propriétaires, mais ils n'ont pas hérité, ils m'ont payé. C'est un acte de vente. Et donc il y a eu des situations comme ça où, dans les familles, alors vous pensez bien que les filles ont faisaient un peu la gueule, parce qu'ils ont dû payer l'héritage de leur père, à la demande de leur père, pour, pour cette raison là. Je vais essayer de, de, de terminer, puis après on continuera. Pour vous expliquer qu'il voilà, il y, y a eu tout ce, ce mouvement politique, mais assez populaire, populaire dans le sens des paysans hein, pour beaucoup qui se sont inquiétés de cette situation-là. Juste au niveau géographique, je vous montre la carte. Donc, quand on est en 14, voilà, de saint julien Thône, donc euh, euh, les Aravis, Chambéry, annecy ça ça devait rester français. Et si le bicorne avait été plus court, vous me direz aujourd'hui c'est français, ça le serait resté. Mais où est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la zone de la Maurienne-Tarentaise, le Val d'Arly, Faucigny-Chablais, faisait qu'on avait deux Savoies. Une Savoie occidentale française et une Savoie orientale, on ne savait pas encore trop. Alors, je vais résumer parce qu'on va devoir terminer, mais après, je vous donnerai plus de détails si vous en voulez. Pictet, à un moment donné, a une idée de génie, c'est-à-dire il n'a rien dit à personne, il n'a rien dit aux Suisses. Et une fois que c'était signé, il a dit aux Suisses débrouillez-vous. Pour que Genève puisse s'agrandir sur les fameuses communes sardes, il n'a pas eu le Salève, il n'a pas eu les Voirons. Mais Pictet était souple en disant OK, on va redescendre, j'aurais verrier. Verrier. Ben, il l'a eu. J'aurais pas les voirons, j'aurais pas Saint Sergue, mais j'aurais, ben, j'aurais pu plein. Je, je, il l'a eu. Et comment il l'a eu Malin Pictet. Il a dit à Turin. Voilà. Là, il y a les Français. Hein. Vous en avez peur des Français. Vous savez que c'est toujours eux. On sait bien. De hein. toute façon, quand il y a un problème, c'est toujours les Français qui sont responsables. Si un jour la guerre reprenait. Si un jour les Français revenaient, vous ne pourriez pas défendre vos territoires. Parce que vous êtes à Turin, il y a les Alpes, c'est trop compliqué. Et le roi un peu bête de Turin dit à Pictet Ah ben oui, ah ben oui c'est vrai. Eh bien, je vous fais une promesse, mais je vais signer. Je vais signer pour la Suisse, mais je ne vais pas le dire aux Suisses. Je vous fais une promesse. Si les Français entrent, c'est l'armée suisse. Qui viendra à votre secours. Ça veut dire quoi Et le roi Turin dit Ah, c'est une bonne idée, ça. Parce que ça veut dire que vous, armée suisse, vous viendrez m'aider, alors que normalement, vous êtes neutre. Non, c'est pas grave. Si les Français viennent en Savoie, la Suisse déclarera la guerre à la France. Et de ce fait, Turin n'aura pas à défendre. La Savoie, puisque la Savoie sera protégée par l'armée suisse. Pictet a négocié ça tout seul, sans rien dire à la Suisse. En disant, bon après, Bernd se débrouillera. Bref. Parce que, une fois que Turin a dit oui, Turin a dit, bon allez, ce Pictet, on va lui donner Verrier, on va lui donner Hermance, on va lui donner euh, Puplinge. C'est bon, quoi. Puisque Pictet nous met une garantie, c'est qu'en cas de guerre, ben, c'est les Suisses. Qui viendront sauver les Savoyards. Bon, Pictet, d'une certaine façon, était ce génie. Dernière phrase, bien sûr, c'est que pour que tout ça fonctionne, il fallait qu'il y ait cette chose incroyable c'est que, je vais passer ce moment-là, c'est que il est revenu de d'Elbe. Il est revenu. Je pense que Pictet et Genève auraient eu beaucoup plus de difficultés. S'il si était resté à cultiver voilà, ses haricots et ses poireaux et ses oranges à l'île d'Elbe. Napoléon est revenu. Et à partir du moment donné où Napoléon revenait, Genève, de nouveau, le temps devenait suspendu. Que va-t-il se passer Genève ben on, re on retient sa respiration. Parce que peut-être il va revenir. Hein, peut-être les Français vont revenir dans Genève. Fort heureusement pour Genève et Picteille et Waterloo. Fort heureusement pour Genève, Napoléon a abdiqué une seconde fois et ça a été définitif. Mais ben à ce moment-là, vous avez compris. Les grandes puissances à Vienne se sont dit c'est fini, c'est fini. On fera aucun cadeau aux Français parce que par la faute de Napoléon, il a voulu alors qu'il avait signé que sa retraite c'est définitive. Comme il a trahi sa parole, eh bien c'est la France qui paiera pour lui. Et la conséquence, c'est que Versoix qu aurait dû rester français. Versoix, Pictet l'a eu. Mais pour que pour Pictet gagne, pour que le canton de Genève gagne, si vous voulez, gagne Versoix, je crois que c'eût été impossible si le bicorne de Napoléon avait été plus court. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, bien sûr, on peut couper, bien sûr, pour ceux qui souhaitent aussi quitter, mais c'est avec plaisir si vous avez des questions euh, sur. Parce que j'ai dû résumer, il y a plein de choses. Mais voilà, on pourrait faire, je pense, des séances et des séances sur ces deux années, 14, 15, 16, avec beaucoup de péripéties sur les questions militaires, sur les questions diplomatiques, de pas à Paris à Zurich pour euh, toutes les négociations entre euh, entre Genève et la Confédération, enfin Bâle au départ, Zurich ensuite, les négociations à Vienne, les négoci qui qui n'en finissaient pas, qui n'en finissaient pas notamment parce que voilà, n'était pas toujours facile euh, d'être entendu pour genève euh, par des grandes puissances ou que parfois, ben, voilà, en fonction de ce que talleyrand avait mangé, bu ou avec qui il avait dormi, euh, passé la nuit, eh bien, euh, la vie de la france pouvait, euh, voilà, être beaucoup plus euh, euh, imprévisible qu'on ne pouvait l'imaginer, notamment pour un, un vrai euh, rationnel calviniste comme, euh, comme Pictet. alors, peut-être on peut faire passer le micro si vous avez des questions, des remarques. À propos de cette période que je trouve vraiment intéressante, 14, 15, 16. Madame, monsieur, allez-y. Oui, à, à quel moment exactement Genève se joint à la Suisse C'était en mai 1815 ou Alors, en, en fait, donc après, c'est toujours pareil. Il y a, euh, il y a, euh, à partir de quand les négociations commencent les discussions commencent, donc ça veut dire que une fois que les négociations elles commencent, on peut dire à partir de mai 1814. C'est-à-dire une fois qu'on se dit, parce que voilà, il y avait cette situation, Genève vraiment a priori est redevenue indépendant, on s'est débarrassé de Napoléon, donc on se dit, ben voilà, il y a une nouvelle ère qui peut commencer. Donc, à partir de, de 14, euh, euh, il y a donc des pourparlers. En gros, pendant une année, il faut que Genève montre pas blanche auprès de la Confédération pour dire que les Genevois seront très sages, seront très modérés et ne seront pas d'affreux révolutionnaires français déguisés en, en Genevois. Donc, et, puis monde, et puis après, bah, il y a toute la partie ensuite euh, des festivités pour dire donc, faut attendre 1816. Donc, ça se fait sur deux ans, en gros. Entre, en 14 on commence à parler et en 1816 ben voilà les Suisses peuvent faire leur grande fête enfin on peut faire une grande fête suisse à Genève pour dire c'est bon tout, tout est fini et, et en particulier parce que il y a Waterloo mais je reviens imaginons bien sûr c'est un peu idiot ce que je vais vous dire mais imaginons que Waterloo se soit terminé dans l'autre sens, Imaginons, puisque vous savez que c'est la fameuse histoire, imaginons que le, la fameuse armée de Grouchy, puisque voilà, c'est ça, ça aussi, hein. c'est que à, à quelques heures près, Grouchy était de retour, et on peut imaginer que avec Grouchy, Napoléon l'aurait emporté. Si de nouveau Napoléon l'avait emporté, après peut-être qu'il aurait eu d'autres défaites, mais imaginons. Imaginons que, puisque c'était son plan, c'est de se dire, ben après, je reprends, je retrouve, je retrouve mon prestige, je retrouve l'aura militaire que j'ai. Ben, ça veut dire que, à ce moment-là, je pense, je pense que les prétentions françaises auraient recommencé et que Genève ne serait jamais devenue Suisse. Donc il a fallu de nouveau euh, la, voilà, cette grande campagne de Belgique et de France qui se termine par la défaite de Napoléon. Pour que de nouveau les choses s'apaisent, l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, en se disant bon bah là a priori je pense que là-bas il ne rebougera plus et que et que et que nous allons, je dis nous, euh, les puissances européennes donc euh, l'Autriche, euh, l'Angleterre, ça prendre des décisions très dures contre la France parce que c'est elle qui est estimée comme responsable de euh, toutes les perturbations pendant les 20 ans euh, qui venaient de se dérouler. Pour que eh bien allons le maintenant on peut faire la fête, on peut faire que Genève devienne Suisse en faisant la fête parce qu'a priori maintenant c'est bon. Mais je dirais en fait, euh, il voilà, faut prendre deux années pour arriver de processus pour passer d'une Genève libérée de l'occupation française donc, et de nouveau indépendante au moment où ça y est, une nouvelle histoire de Genève, de l'histoire suisse de Genève peut à ce moment-là commencer. Mais je vous dis, euh, en, en se disant, pour, pour les gens qui ont vécu cette époque, comme pour toute époque, et, et ben voilà, il euh, y avait d'autres possibilités euh, et surtout quand, euh, quand ils ont appris que Napoléon était de retour et que il, il était rentré à Paris et que on était reparti pour euh, ben voilà une nouvelle aventure napoléonienne donc le destin de Genève était de nouveau euh, voilà, en suspens Je n'ai pas parlé des opérations militaires hein. Lorsqu'en en 1815 il y a eu la... il y a eu donc le retour de Napoléon euh, Dessay a été nommé qui était à Lyon comme Dufour d'ailleurs, parce que Dufour était toujours dans l'armée française en 15. Hein, et euh, euh, il faisait partie, par, ses, par sa formation, voilà, de, de, de la rénovation des fortifications de Lyon en cas d'attaque et d'invasion autrichienne. Par contre, Dessay, donc, euh, il n'a pas retenté le coup de 14. C'est-à-dire qu'il n'a pas tenté de s'emparer de Genève. Donc, quand Dessay est arrivé. Euh, donc en 15, donc pour la deuxième campagne, on va dire, c'est comme ça. Quand il est arrivé dans la région, euh, il a contourné Genève. Euh, Genève, à ce moment-là, ferme les portes et c'est Pictet. Pictet avait euh, donc 600 miliciens, enfin, Genevois, qui avaient pris les armes pour dire bah ben, si jamais euh, les Français attaquent Genève, bon, ben, on essaiera de se défendre avec notre armée de milices, à ce moment-là, sous les ordres de Pictet, de Rochemont. Qui devient le colonel des miliciens genevois, mais décès n'a pas tenté de l'assaut de Genève en 15, a contourné par Étrembière, et puis par le pont, de, par le pont aigué d'Étrembière, il a filé sur sur le, le Chablais et, et l'avancée des troupes françaises en Chablais en gros a, a pu aller jusqu'à évian et puis par le Valais, il y avait un corps d'armée autrichien qui était en train de descendre. Euh, par le Valais, donc, et puis de, de rentrer après par saint golf Et puis au moment où, euh, moment où à la fois, Dessai s'est rendu compte que euh, les Autrichiens donc venaient par le Valais de Saint-Gingolf, que euh, des armées immenses, des armées autrichiennes immenses, venaient par aussi euh, le, le Mont-Senis, et qu'il y avait eu Waterloo, alors Dessai a dit on recule, parce qu'on on va être encerclé et je veux pouvoir. Euh, battre en retraite sans que mon armée ne soit encerclée euh, par les troupes autrichiennes. Donc toutes ces circonstances-là ont fait que, ben à ce moment-là, euh, le destin de Genève, il n'était pas du tout écrit, parce que on ne savait pas qu'est-ce qu qui allait se passer. Mais voilà, sinon, pour revenir à 14-16, partons 16, ça y est, Genève et Suisse. Monsieur, il y avait monsieur, et puis madame aussi après. La petite histoire oui. locale, oui, j'avais lu il y, a, il y a assez longtemps. Et je sais pas qui est à l'origine de cette lecture. Si vous allez sur Hermance, oui, vous tracez un trait sur Jussy. Donc, Hermance, Jussy, je vous ai mis la carte. Et, et puis là, vous avez une enclave, là c'est oui, Vigie. oui, oui, avec Végie, oui. Alors, l'argument que vous avez parlé de religion. Et vous avez parlé aussi d'agriculture. Oui. Alors, il y a, dans la commission, quelqu'un aurait dit, ça, on ne veut pas, les gens ne sont pas intéressants et le terrain n'est pas bon. Oui, oui. <laughs> oui, oui. Vous avez donc, tout il préférait le terrain du côté de... où voilà. il avait des propriétés ouais. du côté du Saleb. Oui, donc effectivement, ce n'est pas très gentil pour les gens de Végie, <laughs> mais c'est peut-être une réalité agricole, s'entend, au fait que oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je l'ai rappelé tout à l'heure. Il faut jamais imaginer parce que voilà ce sont des appellations parfois qui peuvent être trompeuses, mais quand j'ai dit la bourgeoisie, il faut se rendre compte que cette bourgeoisie-là, c'était une bourgeoisie qui s'était construite, qui s'était enrichie avec l'agriculture et avec aussi bien sûr la vente, donc avec du business bien entendu. Il n'y a pas de problème. Mais... Et donc par ce fait, ces gens-là avaient une connaissance, mais vraiment comme des paysans. Enfin, ils connaissaient autant la question de la qualité des terrains, la question du stratégique des prix. Parce que ça, c'est comme ça hein, qu'un paysan devient riche. C'est parce que le paysan, lui, connaît le prix que vous, vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça qu'il arrive à vous blouser, et à vous faire croire que, bien sûr, des œufs, du bois, euh, de la farine, il n'y en a plus. Mais bon, voilà. Et, et que comme ça, il peut vous le vendre plus cher. Donc, effectivement, il y a eu un enfin, côté, euh, donc euh, pour ce côté nord, disons, donc là, effectivement, c'est Végie, le, le creux ce qu'on en creux là ou d'autres territoires pour, pour compléter pour euh, vous me direz vous, vous savez que là bah, quand on est donc là à Verrier donc ça s'est arrêté à Verrier et pas au Salève mais Pictet aurait aimé jusqu'au Salève et entre autres parce que dans ce cas-là autant les conservateurs genevois disaient, bon là il faut se méfier parce qu'il y a un peu trop de catholiques donc va pas trop loin Charles parce qu'ils vont nous submerger par contre il y avait pas mal de ces conservateurs genevois des gens comme Lulin, enfin les, les Lulins, parce qu'ils étaient plusieurs, les Lulins, ou je pense desards, qui avaient beaucoup de, c'était des vignes, qui avaient beaucoup de du côté de Colonges. Et ça, il disait Charles, tu penseras à nous, hein, parce que quand on fait les vendanges à Colonges, ce serait bien plus simple que ensuite le vin soit rentré sans rencontrer de douanier. Donc, euh, mais alors d'un point de vue politique, non, la frontière, elle s'est bien établie à Verrier et, pas, et pas, donc n'a pas intégré Colonge, mais je pense que vous savez ça, je vais vous montrer. Ils ont trouvé un petit arrangement, c'est que certes, la frontière s'arrête là, mais après, il y a les zones franches. Et ça, ça a été de nouveau dans la malice genevoise, genevoise et savoyarde, on d'accord, parce que là, c'était intérêt bien compris pour tout le monde, c'est que une fois que la frontière politique était dessinée, de Vos, ça, je trouve ça intéressant. Ils ont dit, ah, mais les douanes, pardon, il n'y aura pas de douane à Vernier. Ah, il n'y a pas de... Mais non, il n'y a pas de douane à Vernier, à ce moment-là. Parce qu'on va faire une zone franche qui permettra, je vais vous le dire comme ça, de façon, enfin, je sais, humoristique, que les riches propriétaires fonciers, je ne vois qui n'aiment pas les Français ou qui n'aiment pas les Savoyards, puissent continuer à faire leur business puisqu'ils ont des propriétés, euh, ils ont des propriétés, on va dire, là, mais il y a quand même la frontière politique. Eh ben, la douane, elle est là. La douane, elle est sur le Salève. Donc, si la douane est sur le Salève eh ben, et que moi, j'ai des vignes à Collonges, euh, eh ben, je peux continuer à faire mon business avec Genève sans être embêté par les douanes. Mais bien sûr, c'est dans les deux sens, vous comprenez bien. C'est-à-dire que, ben, qu'est-ce que je vais vous prendre comme exemple euh, voilà Moi, j'habite en Billy, pour prendre un exemple comme ça au hasard, j'habite en Billy, je descends à Genève. À l'époque, il n'y a pas HM, mais admettons, je vais à Genève pour m'acheter des vêtements, je vais à Longemal m'acheter des médicaments, il n'y a pas de douane. Y a pas de douane. Je remonte en bille, il n'y a pas de douane. Parce que la douane, elle est derrière en bille à ce moment-là, puisque bille, elle est en zone franche. Donc, effectivement, au niveau très local, Donc essayez d'imaginer, que, parce que vous, vous connaissez la région, donc si on dit Végie, si on dit Cologne, si on dit Verrier, ben vous vous situez, vous n'avez pas besoin d'une carte pour savoir. Où. Et essayez d'imaginer à Paris, à Vienne, à Turin, des ministres qui entendaient parler de ça, ils disaient, mais, mais, mais de quoi on parle Des vignes de M. Désart à Colonge. Qu'est-ce qui nous emmerde avec ces vignes Eh ben oui, mais voilà, pour des jeunes voix comme pour des gens autres, c'était fondamental. Parce que oui, mais ça n'empêche que c'est à moi, ce sont mes vignes, et ces vignes, ben c'est du business, bien entendu, même si ça peut paraître voilà très trivial ou futile. Pour autant... Enfin, en sachant que pour, pour, je pense notamment pour des gens comme Bastien, c'était des gens richissimes, donc ça veut dire que pour eux les enjeux financiers étaient considérables. Pour, pour je vais le dire comme ça pour ces paysans savoyards d'ici, à c'était extraordinaire. Et puis on est bien d'accord, je vous l'avais déjà dit quand j'avais parlé du business. Donc la frontière politique est là. Donc là mettons dans la partie blanche mettons ces Verriers, pas de l'échelle. Et puis voilà la partie rouge Colonge. Il y a pas de douane, on est d'accord. Il n'y a pas de douane au niveau business comme ça, on fait ce qu'on veut. Euh, il voilà. y a rien à déclarer, quoi. Bon. Euh, mais vous pensez bien que donc les douaniers, eux, ils sont là, ils sont là. Donc <laughs> mes ancêtres et les autres, je vous l'ai dit, bah, ils ont appris comment faire pour faire le business avec Genève. Et puis, ben voilà, donc ça veut dire que la contrebande, la contrebande est pareille euh, côté Pjx hein, avec la zone franche sienne et puis après derrière le Jura, bah après bah voilà, c'était le métier des contrebandiers savoyards ou jurassiens, bah de s'amuser avec les douaniers en disant bon bah nous pas de bol, pas de bol, on n'est pas dans la zone mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans la zone qu'on va pas profiter du moment où le douanier voilà est parti euh, voilà manger ou je sais pas où le douanier est, 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 est allé pour bah, faire notre business et puis je crois que vous avoir donné l'exemple d'un quand on est à là c'est à là d'un fameux maquignon qui avait appris, qui faisait du business de, avec des moutons, bien, il avait appris à son chien à faire traverser la frontière douanière avec les moutons, sans lui. Et donc il y avait des chemins de contrebande qui, et c'était les chiens qui guidaient le, le bétail. Et puis lui, il passait bien sûr à la douane pour dire, ben non, rien n'est déclaré. Non. Et il y, avait 500 moutons. il y avait 500 moutons qui passaient un peu plus loin et c'était son chien, enfin ses chiens qui étaient dressés. Pour euh, conduire les moutons de Savoie à Genève, si vous voulez, enfin, pour aller aux boucheries. Hein. Et puis après, ben, on va à Longemal et puis les moutons vont y passer pour, euh, pour, la, pour la viande ou pour les peaux, des choses comme ça. Donc effectivement, il y a toute euh, cette vie locale euh, mêlée à cette vie européenne. Et, et que, alors voilà, je reviens à Pictet, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que Pictet, mais donc Pictet, c'est-à-dire des gens, Pictet, il parlait autant à Talleyrand qu'à ses moutons. Donc ils étaient dans des positions, je trouve, qui sont assez originales. D'un ben, côté, ben, on parle avec les paysans, qui, les bergers qui, qui s'occupent des, des numérinos, ou des contrebandiers, ou de, ou de ceux qui s'occupent des vignes. Puis en même temps, ben, voilà, on parle avec euh, Talleyrand, on parle avec Metternich, on parle avec euh, les Têtes Couronnées, parce qu'on ben, sait très bien qu'on parle avec Capodistria, parce qu'on sait très bien que ben, oui, c'est quand même eux qui vont quand même beaucoup influencer après le, le destin de Genève, le destin de la région. Et puis, dernier point, je, je, ça, mais ça c'est. La zone qui est en jaune, là, à Churé en jaune, qui correspond, vous voyez, à peu près hein, donc de Frangy, Frangy-Cruseille, euh, jusqu'à Évian, jusqu'à Chamonix, et là on remonte euh, par, euh, par les Aravis, avec ici on est euh, à Groisy, au, au col des Vires, en 1860, parce que ça c'est la grande zone, en 1860, lorsque de nouveau il y aura cette grande discussion, cette fois-ci entre. Turin et Paris, avec ce que je vous ai dit, Turin se disant, si le roi de Turin devient le roi d'Italie, il n'y a qu'une possibilité, il faut dégager les Autrichiens. Et comme l'armée, bien sûr, l'armée piémontaise n'avait pas la capacité militaire de pouvoir rivaliser avec l'armée autrichienne, c'est là le grand, le, grand, le grand échange, eh bien, euh, le premier ministre de Turin, Cavour, donc, a dit à Napoléon III, écoute, on va faire un deal, on vous donne la Savoie, on vous donne Nice et en échange, vous nous donnez l'armée française. Et Napoléon III dit, OK, l'armée française donc, est, est passée en Italie. Ils ont cassé la tête aux Autrichiens à Solferino et à Magenta. Et de ce, les Autrichiens ont dit, bon, bah ok, l'Italie s'est faite. C'est le roi piémontais qui est devenu le premier roi d'Italie. De ce fait, la Savoie, Nice sont devenus français en 1860. Mais de nouveau, et, et les bastions étaient là, Alors, bien sûr, ça voulait dire... Ça faisait une autre génération des bastions, mais c'est les mêmes familles. Les bastions ont été à Paris, les bastions qui continuaient à parler aux moutons et aux vaches du Salève. les bastions ont été à Paris voir Napoléon III, lui ont dit, nous, on veut bien être français si vous voulez, ça ne nous dérange pas, simplement, vous nous faites la grande zone franche qui, à ce moment-là, allait permettre, bah, par exemple, à un apiculteur à Chamonix d'aller vendre son miel à Genève sans douane. Mais ça, ça a été donc l'époque de 1860 jusqu'à la Première Guerre mondiale, parce que de nouveau, les intérêts, mais là, c'est vraiment très local. Hein. Si vous imaginez bien que je pense que Kabour enfin, qu connaissait très bien la région parce que euh, par sa mère, il avait des origines genevoises. Et puis qu'il euh, avait passé une grande, enfin, beaucoup de ses vacances, on va dire, de, de jeune homme dans la campagne, justement, de Genève. Mais de nouveau, ben voilà, de nouveau les, les hommes politiques ou les représentants politiques locaux savaient, enfin essayaient de jouer, en fonction de leurs intérêts personnels bien sûr, euh, avec ben, ces discussions diplomatiques euh, de niveau euh, européen en tout cas. Il y avait Madame qui avait une question aussi. Oui. Ah. Et d'autres peut-être. Bon. Allez-y Madame. Je... Vous me comprenez malgré mon masque, là c'est bon. Oui, oui euh, bon, c'est tellement mignon, là, tellement, tellement intéressant que ma question euh, <laughs> renvoie le tout à une, à une généralité. J'aurais aimé que vous nous parliez un, euh, parler un petit peu de la neutralité avait hmm. de la Suisse qui a été reconnue. Euh, ouais et peut-être l'importance que ça a eu sur euh, l'intégration de Genève euh, dans la Confédération. Ouais, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Je ne de... sais pas, mais bon, ça, ça rouvre le débat. Peut-être c'était tellement super qu'on parle du régional. Non non, 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 voilà. Alors bien sûr, parce que moi, je, je, je m'attachais essentiellement à la dimension régionale. De Genève, on va dire, et puis du Pagex, et puis de, de, de ce qui s'appelait le département de Léman, donc qui s'appelle département de la Haute-Savoie, depuis 1860, justement. Mais effectivement, si euh, on, on élargit. Alors voilà, je voulais vous remettre cette carte, parce que. Euh, donc ça, c'est avec 1er janvier 1814, mais en sachant que 31 décembre 1813, là, au bout du lac, Genève a été libérée. C'est-à-dire que, lorsque. Euh, après, parce que voilà, je vous avais dit, il faut. Il y a eu, en 1812, la campagne de Russie. Avant la campagne de Russie, en 1812, je vais montrer la carte, l'Europe est française. L'Europe de, de Lisbonne à Moscou, l'Europe est française. Voilà. Euh, et puis, à partir de la campagne de Russie, eh bien, cette Europe française va se désagréger, puisqu'il ben, y a la Bérésina, il y a la retraite de Russie. Euh, donc ça, c'est en 12. L'année suivante, suivante, en 1813... C'est grande, les grandes batailles en Allemagne, puisque l'armée de Napoléon, pour l'essentiel, est en Allemagne. Et puis c'est en Allemagne que euh, Napoléon va subir des défaites qui vont l'obliger à reculer. Et là, on se retrouve au moment où, justement, l'Europe, de, de la Belgique jusqu'en Espagne, s'apprête à envahir la France. Donc, que va-t-il se passer par rapport à la Confédération sur, sur cette zone-là, on va dire sur, on appelait ça, à enfin, côté français, le front de l'Est, de l'Est de la France, Belfort. Bon. Il, y a, il y a cet immense corps d'armée qui était dirigé par un grand prince autrichien, Schwarzenberg. Et Boumna était un des officiers du, de ce prince autrichien. Donc, euh, cette armée était donc destinée pour l'essentiel ben, à traverser euh, cette frontière, à traverser le Rhin. Pour ensuite, par ce qu'on appelle la trouée de Belfort, eh puisque Napoléon est là, on le prend à revers, parce qu'il y a des armées qui vont l'occuper ici, et puis les Autrichiens vont prendre Napoléon à revers, et à un moment donné, à Fontainebleau, il est obligé d'abdiquer. Ça, c'est le plan autrichien. Mais, mais l'idée, c'est toujours des militaires, c'est de se dire que pour que Napoléon disperse des forces et ne les concentre pas toutes sur ce front, il faut qu'il y ait des armées qui l'attaquent. Par l'Espagne et il faut qu'il ait une armée qui l'attaque par la Suisse. Donc, effectivement, en 1813, les Suisses doivent subir une traversée étrangère parce que le corps d'armée de Boumna, donc détaché du corps d'armée principal, et eh bien, bâle, bâle, Genève. Il faut traverser la Suisse. Donc, lorsqu'il y a eu cette traversée, mais avec l'idée qu'on traverse la Suisse. Non pas pour conquérir la Suisse. On traverse la Suisse pour aller sur Genève, avec qui c'est pas Genève l'objectif, comme je l'avais dit. C'est parce que une fois qu'on est à Genève, on pourra tenter d'attaquer Lyon, d'attaquer Grenoble. Pourquoi Parce que comme ça, on peut euh, euh, mobiliser un corps d'armée français à ce moment-là, commandé par Augereau, des un hein, des officiers d'Augereau, et puis tout, tous les Français qui sont là, ça fait des Français en moins sur euh, le front principal. Quand les Autrichiens. Donc, donc là, il y, a eu, il y a eu discussion parce que la Suisse a dit Mais, mais bon, vous rentrez chez nous. Quoi. Et a priori, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu qu'une armée étrangère, ici autrichienne, traverse la Suisse pour aller faire euh, la guerre aux Français. Je suis extrait de vous dire euh, euh, l'armée allemande d'Hitler n'a pas utilisé le territoire suisse en disant, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour conquérir la Suisse, on, on, juste, on profite de l'autoroute suisse, si j'ose dire, pour pouvoir ensuite conquérir Lyon et les Alpes. Mais ne vous inquiétez pas, les Suisses, on n'a rien contre vous. Alors, Hitler ne l'a pas fait, les Autrichiens l'ont fait. Mais ça s'est fait dans des discussions. C'est-à-dire que la Confédération, les, les responsables politiques suisses ont donné l'autorisation. Les Autrichiens ont dit, est-ce que vous ouvrez le passage On aurait pu imaginer que la Confédération dise, ah non, ah non, 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 attendez. Nous, on a une position depuis presque le Moyen Âge. On a une position de neutralité. Donc, neutralité, ça veut dire que si vous, vous avez un problème avec les Français, réglez votre problème, mais, mais vous n'avez pas à passer en Suisse. Mais vu les circonstances politiques... Et les circonstances politiques, c'était quoi C'était que la France, la France de la République et après de Napoléon, la France avait bien sûr envahi Genève et une fois que Genève avait été envahie, avait envahi la Suisse. Donc la France était considérée comme pays agresseur, bon, avec en plus Napoléon, donc le diable. Dans cette situation politique spécifique, les Suisses ont dit on accepte. Ce que normalement on ne devrait pas accepter on accepte qu'une armée étrangère traverse le territoire suisse, alors que normalement, ce n'est un... pas possible. Donc normalement, je suis essayer de vous dire ça comme ça, normalement, la Confédération aurait dû mobiliser une armée et dire, balle, vous ne rentrez pas. Parce que si vous rentrez, eh bien, on vous fera la guerre. Mais dans la situation politique de l'époque, pour la Confédération, très bien, on accepte. C'est-à-dire qu'au nom de la lutte contre l'ogre, le grand tyran français, on accepte de euh, s'asseoir sur nos principes. Et ça, c'est fait. Bon, les Autrichiens, effectivement, ont gagné, etc. Napoléon. Une fois que, une fois que, donc, 1814, une fois que les Autrichiens, donc, euh, sont parvenus, effectivement, à conquérir toute cette région-là, euh, Puisque, comme je l'ai expliqué, bah, une fois à Genève, ils ont continué leur, 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 leur pénétration sur le territoire français. Effectivement, euh, on va dire au niveau de la Confédération, mais, mais là, on va dire pour moi, c'est plus spécifiquement Genève, même si Genève a joué un rôle, enfin, quand je dis Genève, Pictet, enfin, le groupe Pictet a joué un rôle fondamental, en se disant, il ne faut plus que ça arrive. On a fait une exception pour les Autrichiens. Mais il ne faut plus que ça arrive. Parce que la Confédération a bien compris que ça recommencera. Certes, Napoléon, on s'en est débarrassé. Mais dans 20 ans, 30 ans, il y en aura un autre. Et puis ça recommencera. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera C'est-à-dire, si la guerre reprend entre la France et l'Autriche, ils vont nous redemander. Et puis cette fois-ci, c'est les Français qui nous diront bah, écoutez, on passe. Parce que, vu qu'on est en guerre contre l'Autriche, on aurait un intérêt, par exemple, ce que Napoléon avait fait avec le Saint-Bernard, euh, quand il y a eu la fameuse équipe. Et, ben, euh, et les Suisses ont dit, mais eh ben là, ça devient infernal. C'est-à-dire, parce qu'après, soit les Français, soit les Autrichiens, peut-être un jour les Italiens, s'ils existent, ils vont, ils vont nous demander l'école pour passer. Donc, dans ce contexte-là, le fait que la Confédération avait accepté de déroger à la règle, pour laisser passer les Autrichiens, il y a eu effectivement. Alors, on sait qu'il y a eu Pictet, Capodistria, donc le fameux ministre russe qui est devenu plus tard le premier président de la République grecque indépendante. Voilà. On, on travaillait, on travaillait sur un sur un texte. Et une fois que ce texte a été prêt, eh bien, c'est devenu ce que vous savez, c'est-à-dire une proclamation au monde pour dire c'est terminé. Hein. On l'a fait une fois pour les Autrichiens, mais ça ne doit pas se reproduire. C'est que notre territoire est neutre. Ça veut dire, vous ne passez pas chez nous. Réglez vos problèmes entre vous. Entretuez-vous, si vous voulez, Français, Italiens, Autrichiens. Mais, mais vous restez chez vous. Et c'est ça, en fait, cet acte de neutralité donc, euh, qui sort de cette situation-là. Alors, je n'en ai pas parlé parce que pour moi, ce n'est pas propre à Genève. C'est la Confédération. Et mais effectivement. Même si ça concerne enfin, la Suisse, donc on sait que les Genevois, je vais les appeler comme ça, d'ailleurs Pictet et Capodestria, voilà, c'est eux qui tenaient un peu le, la plume du secrétaire Henard et qui dictaient à Henard ce qui, et qui est devenu ben, un, élément, un des éléments fondamentaux de la Suisse contemporaine, qui est cette neutralité qui, depuis d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi a été respectée sauf que vous savez j'en avais parlé il y, a, il y a plusieurs années quand il y a eu la guerre de 71-71 entre Napoléon III et la Prusse il y a eu un problème alors c'est de nouveau quand en 1871, 71 donc il y a eu la guerre donc c'est la France qui déclare donc c'est le neveu le neveu qui déclare la guerre à la Prusse l'Allemagne n'existant pas à ce moment là d'accord c'est la Prusse les opérations militaires se sont produites donc sur, euh, sur euh, l'est, Metz, etc. Sedan, et puis il y a eu Belfort. Et puis donc que s'est-il passé bah, ce qui se passe, c'est que euh, là il y a une armée il euh, y a une armée prussienne qui rentre, puis il y a l'armée française qui essaye de et comme ce sont les armées allemandes prussiennes qui ont pris le dessus parce puisque la guerre de 71 a été gagnée par par euh, la Prusse et c'est comme ça qu'on a eu après la création de l'Allemagne avec Bismarck. L'armée française a reculé. Et à un moment donné, je pense que je, enfin, vous avez entendu parler peut-être de l'aventure Bourbaki, c'est que dans les, dans, en plein hiver, dans une situation qui devenait euh, voilà, très difficile pour euh, le contingent français, euh, la France a fait une demande officielle à la Suisse en disant il y a un problème. C'est qu'il faut nous laisser passer, pas pour se battre. Il faut nous laisser passer pour sauver la vie des soldats qui est en jeu. Et là, Berne a dit, ben, mais il y a un problème. C'est que on vous a dit qu'on est neutre. Donc, euh, Mais alors là, bien sûr, la question n'était pas militaire, la question était d'ordre humanitaire. Et Berne a dit, d'accord. Donc, un corps d'armée français, par le Jura, a pu passer et a été évacué après par Genève, hein, parce que, mais... Il y a eu un accord qui a été passé entre la Confédération et puis euh, donc c'était redevenu la République française à ce moment-là qui continuait la guerre contre la Prusse. C'était de dire à chaque fois que un soldat français rentre en Suisse, il pose son arme. C'est qu'il y a eu un accord pour que les soldats passent mais sans désarmés. Et à ce moment-là, dire ok alors on le fait pour une raison humanitaire parce que sinon euh, ils vont mourir de froid et de faim dans le Jura en plein hiver. Et donc, donc, voilà. donc là, il y a eu un corps d'armée, mais là, c'est un contexte très spécial, qui a pu passer par la Suisse à titre humanitaire. Puis ensuite, ils ont été évacués par Genève et puis ensuite rapatriés vers la France à ce moment-là. Mais effectivement, vous avez raison de dire, et ça, c'est un, un autre aspect mais fondamental pour l'histoire de la Suisse, que le fameux, cet fameux acte de neutralité, ben, il est né de ce contexte politique des années 14, 15, 16, lorsque euh, voilà le, le destin d'une autre Europe, c'est une, une autre Europe qui s'est dessinée euh, après la chute définitive de Napoléon et donc de l'Europe française en même temps. C'était la fin de l'Europe française et le, le, la création d'une autre Europe. Et pour le cas de Suisse avec la, la fameuse histoire de l'acte de neutralité. Est-ce qu'il y a d'autres Allez-y, hein, questions, remarques sur cette période pour Genève, sa région ou d'autres. D'autres questions Des remarques Bon, alors des remerciements. Merci à vous, passez un bon Merci été. À toi. Bravo. Et puis on se dit à l'année prochaine alors. 2023, prochaine. Sans faute. En 2023. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci d'avoir assisté à cette animation de Cité Senior. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser un like et un commentaire si elle vous a plu. Au plaisir de vous revoir tout prochainement.